on va vous tester justement, on va vous tester sur du niveau de CM2. Oh là là, moi, je vais y aller, moi. Valérie Benahim, on va commencer avec vous. Ah oui, mais non. Jean-Luc dispose d'une certaine somme. Ouais. Ah bah ça, d'accord, jusque-là, tout va bien. C'est bon. Oui, bah, parce qu'il a été encore payé le mois dernier. C'est ça. Il calcule que pour s'acheter 4 livres, il lui manque 5,50 €. Sachant que chaque livre coûte 14,50 €, donnez-moi la somme que Jean-Luc a en poche. Il a combien en poche, Jean-Luc Lemoine ? Quoi ? Eh bien, 14 × 4,50 €. Alors, si vous ne trouvez pas... 14,50 € × 4, oui. Et il lui manque... Et on enlève 5,50 €. Bah, allez-y, faites-le. Bah, attends, je prends... Non, mais Jean-Luc, qu'est-ce que vous l'avez ? Non, j'ai pas suivi, là. J'ai pas suivi, ça fait, ça fait 52,50 €. Bravo, Valérie Benahim, 52,50 €. Elle est pas mal. Ça va. Bon, je suis niveau CM2, c'est pas mal. Elle nous l'a fait à la calculatrice, vraiment. À l'ancienne. En mode primeur, vous savez ou pas. Genre, on va acheter des fruits. Écoute, sur les melons, je passe pas chier, je te les fais à 4,80 €. Hein. Ah bah, je te le dis, là, je passerai pas. À la limite, les tomates, je peux les faire à 2,20 €, mais les melons, non, là, je passerai pas. Là, je te le dis, attends, je fais le calcul, je passe pas. Écoute, je perds de l'oseille. Ça. Allez, Marc Menon. La calculatrice qui a fait donc, qui a participé à cette. C'est ça. Depuis qu'on a des calculatrices, les gosses, effectivement, ne savent plus compter, quoi. C'est sûr. Ça, c'est le gros problème, puisque on en reparlera avec des montres calculatrices, on fera un sujet là-dessus. Marc Menon, quelle est la largeur d'un terrain rectangulaire dont la surface est de 2000 m² et la longueur 50 m ? Bah, il faut savoir que la formule initiale, c'est la longueur que multiplie la largeur et ça nous donne la surface. S'il y a 2000 m et s'il y a 50 m, je divise 2000 par 50 et ça fait 40. Quand il se la pète. Oh l'autre, ça, j'ai essayé de il a été prof de maths, c'était il a limpide. Dit, hein. Ah, il a été prof de maths, oui. Enfin, c'est limite s'il a pas dit hashtag connard. Mais non, pas du tout. Non, mais il a failli le dire. Oh, non. Vous l'avez failli le dire. Attention, Géraldine Maillet. Combien peut-on remplir de verres de 8 centilitres chacun si l'on a 6 packs de 3 bouteilles et que chaque bouteille contient 75 centilitres? Oh, j'ai plus soif, moi. Donc 75 fois... On en a combien, 6? On a 6 packs de 3 bouteilles et chaque bouteille contient 75 centilitres. Donc on a 450, 3 bouteilles, c'est oui, ça? Oui, 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 merci. Donc ça nous fait 1350. Et combien? Combien on peut remplir de verres de 8 centilitres chacun? Divisé par 8, ça fait 168. Bravo, j'ai... Avec la calculette. Ouais, mais c'est fort quand même. Non, elle l'a fait avec le stylo. Non. Elle fait avec le stylo du doigt qui s'appelle la calculette. Ah, mon frère. Combien on peut remplir de verres 8 centilitres chacun si on a 6 packs de 3 bouteilles? Franchement, moi j'arrive. De toute façon, une fois qu'on aura bu tout ça, on pourra aller se coucher. Ah, ouais. C'est vitalé, ces trucs. Serre-moi un verre et on oublie. Ouais. Ça va. Allez, Jean-Luc Lemoine, parce que je sais que c'est vraiment quelqu'un. Alors, lui, il va trouver, je vous le dis, il va trouver en moins de 10 secondes. Ah ouais. Ne mettez pas la pression. Une compétition de football réunit 10 équipes. Chaque équipe dispute 2 matchs contre chacune des 9 autres. Combien de matchs vont être joués pendant cette compétition? 90, ça y est, ouais, c'est fait. C'est dingue. Je lui avais laissé 10 secondes et on lui a laissé 10 secondes de trop. Bravo Jean-Luc Lemoine.